Sous les doigts de Pascal Le Sage, un cuirassier de 1807 prend vie. Le maquettiste s'est fait une spécialité dans la conception des figurines en papier. Des modèles trouvés sur Internet, imprimés sur une feuille, avant d'être découpés. Reste alors à leur donner la forme souhaitée. Avec des différents points de coupe et de collage, je vais donner la forme un peu plus vivante du visage. On n'est pas en peinture comme sur une maquette traditionnelle, on est en impression. Donc on a un résultat qui est très satisfaisant au final. Plus que le résultat, c'est la construction des figurines qui plaît à ce passionné d'histoire. 50 ans qu'il façonne des personnages de ses mains. Un moyen de replonger en enfance. Faire des figurines, c'est parce qu'on a joué aux soldats. Pareil pour les blindés, pareil. Sauf qu'on a grandi, on n'est plus dans le giron de jouer avec des jouets, bien que ça peut encore exister. Mais en fait, on recrée notre univers d'enfance. Et on s'en fait des collections. Et on reste dans cette rêverie. Avions militaires, villages catalans, fêtes foraines, il y en a pour tous les goûts. Quand je vois les détails et le travail qui est fait, je trouve ça juste magnifique, quoi. Tout ça fait une petite sortie. Ce qui me plaît, c'est la réalisticité de comment ils sont faits les choses. Ils sont faits vraiment réalistiques. À l'origine de ce salon, un cercle d'amateurs de maquettes et de miniatures qui a souhaité décloisonner cette activité. Cette passion a une tendance peut-être à travailler de manière un petit peu isolée, chacun dans son coin. Et le club permettrait de regrouper tout ce monde et puis de faire partager les connaissances des uns et des autres. L'association espère ainsi initier les plus jeunes au secret de la maquette.